tout le monde, c'est VHJet Gaming. Nous retrouvons aujourd'hui sur la nouvelle version de Minecraft, le 1.11.2. Bon, bien sûr, en ce moment, j'utilise Overwolf parce que voilà. En ce moment, c'est bizarre quand je télécharge un jeu sur Steam, je peux pas utiliser Camtasia. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va se faire avec Overwolf. Donc, je vais tout de suite vous le dire. Ce que je fais sur Steam en ce moment, c'est le fameux téléchargement de Counter-Strike Global Offensive pour les prochaines vidéos. Mais avant, je vais faire d'autres vidéos qui ne seront peut-être pas sur Counter-Strike Global Offensive parce que je veux m'habituer au jeu. Donc, vous n'aimeriez pas voir quelqu'un qui joue à Counter-Strike, mais en fait, qui s'échappe tout le temps, quoi. En fait, c'est de la grosse merde. Si... En fait, c'est comme si vous regardez une vidéo d'une personne qui joue à un jeu, mais en fait, qui ne sait même pas du tout y jouer. Donc, j'aime mieux ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui consiste à vous dire quelques commandes de base et quelques commandes de fun sur Minecraft. Voilà. En fait, c'est qui vont simplifier votre vie. Donc, voilà. Désolé pour ça, ça fait ça à chaque fois que j'ouvre Minecraft. Donc, voilà. En fait, pour si les personnes ne savent pas comment ouvrir le panneau, il faut appuyer sur T. Donc, ça va ouvrir le panneau de chat. Donc, en fait, je crois que toutes les commandes commencent par un slash. Parce que les commandes que j'ai en tête sont tous en slash. Donc, le premier, c'est slash game mode 1. Qui sert à mettre mode créatif. Donc, je suis déjà en mode créatif. Donc, voilà. Slash game mode 2 sert à être en mode survie. Bien sûr, je ne le ferai pas parce que en fait tous les monstres vont vouloir ma carcasse. Donc ouais, d'accord, j'utilise des mots de merde. Donc il y a le slash game mode 3 qui sert à être en mode aventure. Donc on peut pas casser des blocs et tout cette merde. Bon, donc comme vous pouvez le constater, en ce moment il pleut. Mais en réalité, avant de vous dire cette commande, je vais vous donner le dernier game mode. Ah merde, en fait non, c'est pas vrai. Slash game mode. En fait, le slash game mode 2, c'est celui-là qui sert à être en mode aventure. Et le slash game mode 3 sert à être en mode spectateur. Donc si je fais ça, je suis en mode spectateur. Ouais, je peux aller sous la terre. C'est vraiment spécial. Donc voilà. Prochaine commande, c'est une commande assez pratique. C'est le slash weather clear. Regardez ce qui va se passer. Que la lumière soit, bande d'enculés. Donc voilà, vous savez à quoi la commande sert. En fait, c'est pour arrêter la pluie. Donc voilà, la pluie c'est assez chiant, quoi. Donc la prochaine commande, c'est la commande slash. Oh, en fait, désolé, deux secondes. Devait être... Oh putain, j'ai oublié d'enlever le mode spectateur. Deux secondes. Mettre en mode créatif. Slash game mode. Et voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est slash
spawn point. Ah, oh, c'est vrai, il n'y a pas d'espace. C'est le slash spawn point. Merde. Donc voilà, donc en fait Minecraft c'est comme un tableau de base. C'est pour voilà, ce tableau sert à, en fait, si je meurs, je vais réapparaître à la même place où j'ai fait la commande. Donc je vous montre encore une nouvelle commande, c'est le slash kill qui sert à vous suicider. Kill, voilà, là je suis mort. Donc je suis regardez la commande, la place de la commande que j'ai faite tantôt. C'est la même place, c'est vraiment ce carreau, j'étais à ce carreau. Donc en fait j'étais en haut, j'étais comme ça. Vous voyez. Donc voilà. Comme vous le constatez, le slash kill sert à vous suicider. Donc voilà. Il y a une commande qui est quand même assez pratique. Donc, une seconde. Putain, bon d'accord. Disons que j'ai ça, et ça. Donc, disons que, ouais, d'accord, si quand je suis mort, ça envole partout, quoi. Donc, 2 secondes, je vais ramasser cette merde. Donc, voilà, la commande, cette commande sert à garder vos objets quand vous mourrez. Donc, cette commande s'appelle le slash game rule. Keep I majuscule inventory. La I majuscule est très important, donc vous mettez trou pour vrai. Donc si je fais slash kill, donc bien sûr je vais avoir gardé tous mes, putain j'étais sûr que ça marchait pas. Je vais avoir gardé tous mes objets que j'ai dans ma barre d'outils. Mais comme vous pouvez le constater, j'écris slash game rule keep inventory true. Mais si je fais slash game rule keep inventory false pour faux, donc ça vient de se désactiver. Donc si je fais slash kill, putain, je perds tous mes objets, mais bien sûr ils vont se retrouver par terre. Donc voilà, c'est ça pour cette commande. Et je veux vous montrer la commande, donc je vais garder mes objets bien sûr, la commande pour vider la barre d'outils, c'est le slash clear. Bon, regardez ce qui passe. Ah voilà, il n'y a plus rien. Et bien sûr, ne se retrouve pas au sol. Donc voilà. La prochaine commande, c'est ah d'accord. C'est voilà. En fait, c'est pour avoir un objet qui contient deux mots. Donc c'est le slash give arrobas p mine, espace minecraft 2 points commande, oh putain, et tiret bas bloc. Donc je veux un commande bloc et voilà, j'écris cette commande. Donc voilà, je mets commande bloc, j'en mets autant que je veux, quoi. Donc voilà. Et ouais, j'ai dessiné une bite.
Donc je peux le faire avec n'importe quel objet qui contient deux mots. Donc disons slash give arrobas p Minecraft 2 points disons ah d'accord diamond tiré bas sword voilà d'accord j'ai mon épée en diamant quoi et ouais genre je vais tout vous enculer bande d'enculés. Ouais, j'ai activé le mode avec les cœurs. Donc voilà, je vais refaire cette commande qui s'appelle le slash clear. Slash clear. Donc voilà, ça sert à plein de choses. Et voilà, il y a encore cette commande. Ah, d'accord, j'ai oublié de vous dire cette commande. En ce moment, vous voyez, il fait nuit. Regardez bien. Si je fais slash time 7 0, ou vous pouvez bien écrire day, ça fait la même chose, mais moi je mets 0 parce que je sais pas en fait, je suis plus habitué. Et voilà, c'est le jour, que la lumière soit d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager. Tchuss!